contrevenant arrêté pour viol de couvre-feu sera poursuivi sans clémence et sans faire d'exception. Du viol de couvre-feu, là, tu le sais. Et si quelqu'un d'autre avait lâché ce virus? Et si quelqu'un d'autre avait tué tous ces gens? Voudrais-tu vraiment savoir qui l'a fait? Bien sûr. Même si c'était quelqu'un au service de ce gouvernement. Voilà ma question. Si notre propre gouvernement était responsable de ce qui s'est passé à Sainte-Marie. Je drape la vile nudité de ma scélératesse sous quelques vieux haillons volés à l'évangile et passe pour saint à l'heure où je fais le diable. Je vous en prie, ayez pitié. Il est un peu plus de 9h30, ce 26 juillet 2016, lorsque le père Jacques Hamel, 85 ans, est assassiné à la fin de son office. Deux hommes âgés de 19 ans, Adel Kermiche, originaire de la ville, et Abdelmalik Petitjean, tous les deux fichés S, pénètrent dans l'église. L'un des deux assène plusieurs coups de couteau mortels au père Hamel. L'attentat est revendiqué par Ramak, l'agence de presse du groupe État islamique. Two Catholic churches were set ablaze in Canada on Wednesday. In recent days, as many as 8 churches have been either destroyed or damaged in suspicious fires. Ma grand-mère possédait une ferme à Turtlebrook et nous disait que Dieu était dans chaque goutte de pluie. Dieu est dans chaque goutte. En 2002, je suis tombée amoureuse d'une dénommée Christina. Thank you.
Il était mon père. Et ma mère. Mon frère. Mon ami. Il était vous. Et moi. Il était chacun de nous. Je suis Justine. 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 Nous sommes tous Justine. Je suis Justine. Je suis Justine. Je suis Justine.